antena. Claro, claro, por eso, ¿verdad? No, ya la argolla ya. Eh bien, voilà l'étape finale pour voir notre interface et ce qu'on a réalisé. Voici le câblage qu'on doit relier, par exemple ce mini-DIN, le câble pour l'IASO. Et les autres, le DB9 qui sera lié au COM de notre PC, ainsi que le jack. Je dois éteigner mon transceiver avant de brancher la DIN avec 5 pins. Je me suis habitué à les brancher de cette façon là. Voilà le câble qu'on doit brancher sur la face arrière de notre PC. En bas de la table, je me trouve dans la situation du souris. Et pour vous montrer les faces arrière des transceivers ainsi que notre ordinateur, il fallait déplacer un tas de matériel dans une cuisine de 2 mics sur 4 que j'ai colonisé à ma grille. C'est ça l'amateurisme. Pour abriter mon jack. Bon, je suis en train de brancher mon câble sur les COM 1 ainsi que les deux jacks sur l'interface audio. L'interface audio qui se trouve à la face arrière de mon PC. Voilà. C'est terminé. Donc, il me reste à brancher mon câble dans le port data d'IASO. Voilà. Voilà. Voilà le moment crucial. Mais on a fait du bon travail. C'est sûr qu'on va gagner notre interface. Donc je dois allumer d'abord mon poste et ouvrir un logiciel. Ça, c'est l'interrupteur ou bien le sélecteur qu'on a monté pour choisir la position de l'icône. Bien sûr, l'autre position, ce sera pour l'IASO. Juste pour vous montrer comment ça se passe ou comment ça se fait. Donc, je dois tout d'abord ouvrir mon logiciel numérique qui est le JTDX pour voir s'il y aura de la réception. Regardez bien, malgré ce, j'ai filmé ça d'une façon, je crois, mauvaise, mais je vais vous montrer après la façon de configurer votre transceiver. Voilà la réception, c'est le sheet d'eau en haut de l'écran. J'ai zoomé, mais ça n'a pas marché. Voilà, la réception est bonne. On reçoit sur le sheet d'eau qu'on voit toutes les stations qui sont sur cette fréquence. Et j'essaie de vous montrer comment on va exciter notre transceiver à travers cette interface à l'aide de ce logiciel. Voilà le JTDX
Il y a plusieurs options. Il existe aussi un bouton à votre droite. C'est un bouton tuner. Il vaut dans 30 secondes pour envoyer un signal de 1750 Hz. Juste pour vérifier l'émission et régler l'otos sur votre tuner. Et régler aussi la puissance, le volume des signaux envoyés par le Papa Charlie. Donc, je serai dans l'obligation de faire une petite démonstration sur le PC pour vous donner une idée. Voilà, on va voir si nos LED en mode DTR va s'allumer ou pas. Voilà, c'est l'émission. Voilà, puisque les LED s'allument, donc nous sommes en mode émission, en mode DTR. On va changer aussi le mode pour voir le mode RTS. Voilà, ça s'allume en vert. Regardez, ça s'allume en vert. Donc on a bien réussi notre interface. Je vous souhaite de la réaliser. C'est très facile et c'est ça l'amateurisme pour moi, c'est de faire des expériences dans le domaine. Donc je serai dans l'obligation de vous montrer une petite démonstration sur l'écran pour un logiciel qui s'appelle GTTX dont on a parlé peu, et on verra la suite. Voilà, c'est ça le signal de 1750 Hz. Ah, c'est l'émission. Elle est bonne, correcte, dans les normes. Voilà, on reçoit en même temps. Donc, laissez-moi vous montrer la configuration de un des logiciels qui sont numériques. Voilà le potentiomètre pour augmenter ou diminuer le volume, le 25 kg. Bon, comme je l'ai dit, je suis dans l'obligation de vous démontrer comment configurer un parmi les logiciels numériques, comme c'est comme on voit sur les sur l'écran. Il y a le Ham Radio, il y a le UX2IMG, il y a le GTDX, le MMSSTV, le MultiPSCAL, EasyPAL. Donc je vais prendre celui-là comme exemple. Tout d'abord, allez honnête, écrivez Juliette Tango Delta GTDX, le voilà, pour télécharger votre version. Donc, votre ordinateur, vous devez savoir s'il est de 64, son système est de 64 bits Windows, ou bien il prend en considération le Windows 7, 10, etc. avec 64 bits, ou bien 32 bits, ou bien votre système c'est du 60, c'est du 32 avec le Windows XP, Vista ou autre. Donc vous allez chercher votre version qui vous convient. Une fois vous le téléchargez de cet endroit là, vous allez l'installer et vous aurez sur votre écran une icône qui ressemble à celle-là. Moi, je l'ai déjà installé, donc on va passer automatiquement. C'est très simple, on va passer automatiquement à la configuration. Avant de l'ouvrir, vous devrez automatiquement allumer votre transceiver. Voilà, je clique deux fois. Voilà notre logiciel. La première des choses, passez au dossier, mode réglage. Il va apparaître une interface comme celle-là, ou bien l'affichage comme ça. Donc, la première des choses, c'est votre indicatif. Vous devriez
L'écrire ici, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une 865, ça, c'est mon indicatif pour les contests à l'occasion, si je me rappelle bien, l'occasion de la fête d'indépendance au Maroc. Donc, je vais le changer. C'est le CN8, Mike. Et votre locateur au grid, c'est le Indiamax 62 Tango Sugar. Donc, pour information, malgré qu'il y a 6 caractères, le logiciel ne fait apparaître que 4. Ce n'est pas un problème. Laissez les choses comme elles sont, figurez ici. Si vous ne connaissez rien, vous allez apprendre par habitude. Passons, radio. Radio, je vais vous montrer une chose. Cette case-là, ça concerne votre câble de programmation, ou bien votre câble relié du transceiver à votre poste, pas Charlie, votre ordinateur. Alors, là, vous allez choisir votre marque de transceiver, par exemple le ICOM IC475, par exemple. Ou bien, si vous avez d'autres marques, ou bien l'Yaesu, ou bien le Kenwood, ou autre, suivant l'interface que vous avez construite. Une chose, si vous n'avez pas de câble de programmation, il suffit d'aller en haut et cliquer Now. Donc, vous allez commander votre transceiver manuellement. Et si vous avez votre câble, automatiquement, il sera commandé à distance à travers ce logiciel. D'accord. Votre câble, normalement, il doit être connecté à un port serial que vous allez choisir à partir de cette fenêtre-là, ou bien de ce menu contextuel. D'accord. Ensuite, là, c'est la vitesse de transmission. Votre transceiver, il a des caractéristiques. Parmi eux, il y en a la vitesse d'émission. Certains travaillent avec une vitesse de 1200, d'autres 2400, etc., 9600 ou autres. Pour le 9600, c'est utilisé à l'occasion pour l'UHF. L'UHF. D'accord. Si vous ne connaissez rien du tout là-dedans, donc vous laissez ça par défaut. Ça, c'est la configuration des bits de données sur vos ports. Passons maintenant à cette partie-là, à cette fenêtre-là. Cette fenêtre est consacrée à notre interface qu'on a réalisée. OK. Comme vous le voyez, je vais parler des choses qui sont importantes pour nous et les autres points, vous avez le temps de les découvrir. Alors, là, vous pouvez choisir le mode d'émission, soit en mode DTR ou bien en mode RTS. Vous avez le choix. Et certains logiciels numériques, ils excitent les deux en même temps. Donc, votre interface, elle est reliée à un port, soit le port COM2, COM2, COM1, COM3, ça dépend de vous. Et ne confondez pas les deux COM qui sont là. D'accord, laissez les choses comme elles sont. Là, il y a deux boutons. Deux boutons, les voilà. Le test de carte et le test du PTT. Normalement, si tout se passe très bien, vous allez cliquer sur le test 4, sur ce bouton-là. S'il devient vert, c'est que vous avez réussi. Votre interface est parfaitement bien. Voilà. Voilà, elle est verte. Donc, automatiquement, vous allez tester le PTT. S'il devient rouge, c'est que vous êtes arrivé à exciter votre optocoupleur et vous entrez en mode mission et en mode transmission. Et en même temps, vous regardez votre afficheur sur le transceiver. Vous allez trouver le LED concernant l'émission et allumé en rouge. Alors, j'arrête l'émission. Bon, on a réussi de ce côté. L'autre côté, c'est le côté audio. Là, vous avez, ça c'est concernant les jacks qu'on a fabriqué sur la carte interface. Pour l'entrée,
le jack d'entrée, vous devrez choisir le port audio de votre Papa Charlie, votre ordinateur. Si vous avez deux cartes, vous devriez changer les noms. Pour la sortie, même chose, il faut choisir la carte son de votre ordinateur pour l'entrée et pour la sortie. Laissez les choses comme elles sont. Alors passons maintenant aux séquences. Pas grande chose, les macros. Les macros sont des caractères à utiliser pendant la dernière étape finale. Vous pouvez envoyer des 73 ou bien n'importe quelle mention ici, à condition que 73, le caractère 73 soit à la fin. Et ne dépassez pas 11 caractères, il ne va pas prendre en considération le reste. Ça, d'une part, vous pouvez écrire n'importe quoi ici, et à la fin, vous mettez des 73 pour que le logiciel comprenne que vous êtes à l'étape finale. Voilà, supprimer le report. Si vous voulez être par exemple spoté, vous allez entrer ce code là 127.0.0.1 avec le numéro du port du serveur. Si c'est le 2237, parfois il le donne automatiquement, sinon il faut se rappeler de ce code et cocher les 3 qui vous permet l'envoi des données de KISO, ADIF ou autre chose. Donc notez tout ça chez vous. Activez aussi l'enregistrement automatique du KISO pour avoir votre fichier ADIF à la fin. Ça d'une part. Donc pour la fréquence est déjà enregistrée automatiquement au moment de l'installation. Si vous voulez ajouter d'autres fréquences nouvelles, c'est là qu'il faut ajouter. Donc Les notifications sont des notifications que vous pouvez représenter avec des couleurs. Alors, dans cette zone-là de réception, c'est là que ces couleurs seront mentionnées. C'est-à-dire, par exemple, donnons un exemple, pour les messages de transmission, qui sera dans ce côté-là, vous pouvez changer la couleur. Par exemple couleur verte, vous mettez OK et ça change là, ou bien en rose comme je l'ai fait, voilà l'émission, et vous pouvez changer la couleur de tous les boutons ici afin de distinguer les étapes. Voilà pour les filtres, voilà là, on a les continents ici, vous avez le choix. Si vous voulez par exemple faire des KISO dans le monde entier à part l'Afrique, vous n'avez qu'à cocher ici et vous n'aurez aucun KISO dans le continent africain. Voilà ça d'une part. Alors pour programmer ça, avancer, ça m'intéresse pas. OK, à la fin vous mettez un OK et ça passe. Donc votre transceiver est allumé. Voilà la réception, le sheet d'eau, ça c'est une façon de représenter les communications ou bien les émetteurs. Alors, passons une chose à dire. Avant, il faut régler votre heure. Il faut régler votre heure et il faut la synchroniser parce que ce logiciel, il prend en considération le temps. Donc, si vous êtes décalé, par exemple d'une minute ou bien de 30 secondes, vous n'allez rien voir sur ce côté-là et pas de réception automatique. D'accord. Ça, d'une part. Voilà la réception des KISO qui se fait sur quel mode? Pardon. Sur quel mode? Nous sommes le mode FT8. Donc, vous avez... Pour vous expliquer rapidement, là pour le mode FT8, la communication se fait dans 15 secondes. Voilà, c'est les vertes.
donc vous êtes en réception. Si elle est rouge, donc vous êtes en émission. Voilà. Vous êtes en réception maintenant. Il faut écouter. Si vous voulez émettre, cliquez sur marche TX. Donc, avant d'émettre, il faut coupler votre transceiver par ce point-là qui est le tune. Si vous appuyez ici, vous avez 30 secondes. Vous avez 30 secondes pour coupler votre transceiver et augmenter ou diminuer votre puissance d'émission. Par là, ou bien par le potentiomètre dans votre carte interface qu'on a réalisé. Stop. Ça, d'une part. Autre part. Si vous êtes en mode FT4, pardon, alors vous n'avez que 7 secondes. Vous n'avez ici que 7 secondes pour l'émission. Donc, il faut être plus rapide dans les manipulations. Restons en mode FT8. Là, je vais vous montrer une chose. Ce curseur-là, en rouge et en vert, il se déplace automatiquement. Vous pouvez le déplacer vous-même. Il se déplace automatiquement sur cette plage-là de fréquence. Avant d'émettre, il faut choisir un couloir libre. Avant d'émettre, je le dis. Cherchez un autre couloir libre entre 500 Hz, si c'est la bande passante, 500 Hz et 2500. Pourquoi? Si vous faites des keys au hasard, par exemple, et votre curseur il est là sur cet emplacement-là, alors votre signal sera surmodulé et personne ne va recevoir votre appel ou bien votre signal. Donc il faut chercher toujours un couloir qui est libre ici ou bien ici. Une chose très importante aussi à vous expliquer: tant que vous vous déplacez du 500, écoutez-moi bien, tant que vous vous déplacez du 500 vers les 2500 Hz, vous allez remarquer que la puissance va augmenter de votre émission. Pourquoi? Si on est en 500 Hz, le signal émis, sa tonalité est grave. Et tant que vous montez sur cette voie-là, elle devient aiguë. Donc, vous allez remarquer que la puissance augmente continuellement. Vous allez le remarquer avec le temps. Voilà. Il y a énormément de choses à expliquer ici, mais je vous explique tout simplement quelque chose qui sont très importants. Alors, quoi encore? On a couplé notre transceiver, donc on va émettre pour voir les résultats. Est-ce qu'on a réussi ou non? Donc on va se déplacer par exemple à 1500. Là, je clique, il se déplace. Si vous cliquez avec le bouton droit, aussi il va se déplacer. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de câble de programmation lié à votre ordinateur, donc vous allez changer votre fréquence manuellement comme ça. Voilà. Voilà. Si ça se fait en rouge, c'est que vous n'êtes pas sur les fréquences autorisées ou bien déterminées pour le FT8. Donc il faut revenir. Faisons un essai sur les 40 mètres. Nous allons choisir les 40 mètres et coupler notre
40 mètres, on va coupler notre transceiver. Voilà, toujours en mode USB. Je vais effacer et renouveler toutes les données. Voilà, c'est pleinement ici. Donc, il faut choisir un couloir. Peut-être que je vais choisir ce côté-là. Voilà. Ou bien, sélectionner un de ces indicatifs. Vous avez le choix. Bon, marche. La puissance est très élevée, donc je dois diminuer. Voilà la France qui me fait signe. Il arrive avec moins 11 décibels. Je vais le répondre. Le système, automatiquement, il va le prendre en considération. Alors, il va suivre les étapes automatiquement sans faire rien du tout. Donc, je laisse mes bras croisés. Et voilà, il m'a répondu avec du RS-73. Mon système, ou bien mon logiciel numérique, il a répondu aussi avec 73. Et voilà, votre KISO est marqué sur votre ADIF, fichier ADIF. Voici l'emplacement. Donc, je vais arrêter parce que je dois répondre aux OM. Je vais arrêter l'émission et voir notre fichier ADIF. Est-ce qu'il est enregistré ou pas? Ouvrir le fichier ADIF. Le voilà. Donc, le premier qui soit là. Ça, c'est à l'occasion de la fête d'indépendance. Donc, je vais trouver mon OM, mon KISO, en bas. Le voilà. Le voilà, mon KISO. Avec le FT8 et un RST de moins 11. Avec la France. Avec mon indicatif CN8, Mic. Voilà, c'est très facile à réaliser et je vous souhaite bonne chance, bonne continuation. Ça fait toujours plaisir de faire des essais comme ça. À la prochaine, Inch'Allah. Alors, je vous ai parlé au moment des réglages, au moment des configurations, pour le report. Votre serveur donc sera celui-là, avec ce numéro, et vous pouvez vous profiter pour voir par exemple le PSK reporter afin de voir les OM ou bien les émetteurs dans le monde entier. Le net est toujours en retard, donc je vais vous montrer par exemple quels sont les émetteurs à l'instant même. Voilà, on essaie d'approcher. Regardez bien. Là, au Maroc, on va voir à qui servira ce bouton-là. Ça, c'est moi. C'est CN8 Mic. Alors, on va voir qui est là. C'est le CN8 Lima India, oui. Alors, je profite l'occasion pour le saluer. Oui, c'est Saïd. Espérons faire un kiss avec lui. Qui est là? C'est le CN1 Mike. Je ne sais pas si là au sud. C'est indicatif, c'est nouveau pour moi. Voilà, et c'est fini. C'est toujours intéressant de discuter avec toi d'antenne, des choses comme ça, parce que c'est des choses moi, qui m'intéressent beaucoup, ces choses-là. Et j'en ai à très bientôt avec grand plaisir. Amitié à toi, à ton cœur, bien sûr.